Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicle sur la map Moon. Donc c'est un glitch qui consiste à faire bugger le spaceman, donc l'homme de l'espace, enfin le zombie de l'espace quoi, en illimité, donc que ça marche en solo et en multi. Donc si vous le faites bugger lui, eh ben il n'y en aura pas d'autres. Donc par exemple lui il s'appelle ça le Gui. Et eh ben si je fais bugger ça le GUI, eh ben il n'y en aura aucun autre qui buggera, qui spawnera parce que ben en fait faut d'abord tuer le premier ben, spaceman pour qu'il y ait un deuxième qui spawn avec un autre pseudo, enfin un prénom. Donc voilà. Alors le glitch est vraiment très très simple. Il suffit juste d'amener le spaceman dans ce petit truc ben, dans le TP, juste ici. Donc je vais attendre qu'il arrive, hein. Je vais aller le mettre dans le glitch. Je pense qu'il n'a pas encore été patché ce glitch. On va voir. Voilà, ce glitch n'a pas encore été patché. Donc on va attendre qu'il se mette ici en dessous, hein. Je vais mettre la vidéo en accéléré parce qu'il est vraiment lent. Et voilà, regardez, là il arrive. Donc là c'est tout simple, vous sautez, vous allez au milieu. Vous attendez qu'il saute. Faites gaffe de ne pas vous faire TP. Et voilà, regardez. Après vous sautez, hein, par le petit espace qu'il y a là, vous passez en dessous, vous arrivez à la pyramide et vous allez voir que je vais remonter. Vous allez voir que le spaceman, eh ben, il disjoncte parce qu'il dit non, il dit non à la vie, il dit non à tout et il ne bougera plus. Vous allez voir, il va pas bouger d'un millimètre et de là, ben, vous allez être tranquille, vous allez plus avoir le spaceman dans les pattes. Donc, ça peut être utile pour faire des runs. Donc regardez, il est juste là et bah, il dit non à la vie, il dit non à tout. Donc voilà. Alors si vous voulez prendre le TP, je pense que c'est faisable. Donc on va voir, hein. Je vais retourner là-bas. On va voir si c'est fait TP, enfin si il va respawn ou s'il est toujours sur la plaque de téléportation. On va voir ça. Je vais mettre la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop trop long. Donc apparemment il y est toujours, regardez. Donc voilà, vous pouvez même prendre le téléporteur. Donc voilà, si vous voulez aller améliorer vos armes et tout, vous allez sur la plateforme, vous restez sur la plateforme. En fait, ce qu'il faut faire, c'est juste de ne pas le tuer et essayer de ne pas le faire tomber. Parce que je pense que si vous voulez le faire tomber de la plateforme de TP, je pense que vous y arriverez si vous vous mettez vraiment dans un coin et que vous essayez de le faire tomber, je pense que ça fonctionnera. Genre dans ce coin là, attendez, oh voilà, genre dans ce coin là, vous essayez de le mettre, de rapprocher de ce coin là et vous tombez avec en même temps que lui enfin, essaye de vous attraper. Donc voilà, j'espère que ce petit glitch vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos de photos. Allez, ciao, peace. Dumb it, bruh. Dumb it, bruh. Dumb it, bruh. Dumb it, bruh.